La Yanzi, elle vient de Yanzi. Non, je rigole. Alors, je dirais plutôt cette technique-là, vraiment, je vais être très franc avec vous. Vous savez, des fois, quand on tombe à l'entraînement, moi, personnellement, quand je tombais, quand je rentrais à la maison, ça me travaillait encore dans la tête. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, mais je suis sûr que j'ai plein de mes amis, parce qu'on cachait un peu hein, nos craintes et puis les gamelles qu'on a prises aussi, ce que ça, l'effet que ça faisait sur nous. Mais moi, j'étais plutôt du genre, j'en prends une, j'essaie de comprendre. Et ça allait faire peut-être plaisir à un monsieur qui s'appelait Alexandre Bordorieu, qui était très, très physique à l'entraînement et qui a commencé à connaître mon judo parce qu'on se connaissait depuis très jeune. Et puis un jour, il me fait une sorte de réaction que j'ai jamais compris. Et quand je suis tombé, mais j'ai eu une de ces douleurs à la tête. Oh là là, je peux vous dire que même les Feralgon, ça passait pas. Hein. Donc du coup, j'ai essayé de comprendre. Et effectivement, comme j'utilise ma tête, j'ai réussi à pouvoir utiliser cette technique-là. Et je dirais encore une fois de plus, j'ai vu les bases par rapport à ce qu'il a fait sur moi et je l'ai modifié à ma façon. Et cette technique-là m'a permis de gagner le tournoi de Paris, surtout mon duel contre l'un de mes rivales qui était très important, que c'était Jamel Bourras, qui venait accrocher la jambe et fallait absolument trouver autre chose parce que c'était impossible de pouvoir décrocher la jambe. Il fallait faire du Yanzi. Donc du coup, j'ai sorti cette technique-là et je dirais merci Alexandre et merci Jamel. Alors on va finir sur une spéciale que beaucoup de gens appelaient la Yanzi et qui m'a permis justement de pouvoir enflammer Coubertin. Cette technique est en fait combinée. C'est pas qu'une seule technique, c'est combiné de Uranage, Kosoto, et voilà, ça fait un petit mélange. C'est exactement comme mon judo. C'est pas seulement seule attaque, c'est plusieurs mélanges autour. Voilà. Donc sur des gens qui viennent grands, qui viennent au-dessus, vous envahir et venir accrocher la jambe, je cherche pas à décrocher la jambe, je cherche à lever et aller prendre mon point d'appui, enlever, aller faucher leur deuxième jambe. Sa jambe accrochée, je n'essaye pas de la faucher ou même de la décrocher parce que c'est là qu'il est fort. Je lève et quand il est en l'air, il ne sait pas de quel côté je vais aller. Au lieu de venir, c'est de passer par devant, je vais venir accrocher la deuxième jambe. Donc, c'est-à-dire que je viens vraiment prendre un écart, un grand écart pour venir chercher derrière. Et là, je pars en sorte que c'est un peu mélangé. Uranage, pareil, on l'appellera la Yondi, tout simplement. Voilà. Donc d'ici, paf, on vient chercher. Ah, il accroche. Boum. Ça va? Oh, t'inquiète. Coupe, coupe. J'ai fait un coup. Oh, merci. Quand j'ai levé Jamel, le public déjà qui criait, qui en fait un bruit déjà, et boum! Juste à ce moment-là, j'ai les bras en l'air, juste comme ça. Et je parlais en même temps, je disais, c'est moi, je suis là, je suis de retour. Aujourd'hui, j'ai encore la chair de poule quand je regarde ça parce que je ne peux pas expliquer. Et je pense que si vous, les jeunes, vous pouvez connaître ça, c'est. Bah, faut faire le travail et vous verrez peut-être qu'un jour on aura l'occasion de pouvoir discuter ça parce que ça se décrit pas, ça se sent.